Salut tout le monde! Alors aujourd'hui, on va tout simplement voir comment améliorer l'arc en arc de poison. Donc, pour ça, il faut que tu aies un zombie au niveau de la plaque qui est juste au sol. Donc, juste en faisant pouf comme ça. <laughs> voilà. Et donc, une fois que ça c'est fait, et eh ben tout simplement, on va récupérer 6 crânes qui se trouvent dans la map. Donc moi premier crâne que je vous montre au niveau de la fusée, voilà donc juste là. Euh, donc je vous situe à, petit, à peu près, voilà, hop, vous appuyez sur X ou carré suivant votre console, sur PC je ne sais pas. Euh, après deuxième crâne, il se trouve juste au spawn, donc juste là, c'est pas très compliqué à trouver. Hein. Euh, après troisième crâne qui se trouve dans la chambre de Samantha. Euh, qui se trouve à peu près au spawn au niveau du dragon hein, voilà euh, après quatrième qui se trouve euh, sur la fenêtre euh, au niveau bah, du de la milieu de la map on va dire à peu près après vous descendez en bas vous récupérez le petit cinquième qui se trouve ici sur le rebord et après le petit dernier qui se trouve au niveau euh, du téléporteur qui va à la fusée donc au niveau de la pyramide voilà au niveau du sous sol au niveau de la pyramide juste là hop à pas droite voilà euh, donc une fois qu'on a fait ça on va simplement se rendre ici euh, en, euh, pour faire des rampants et en fait en faisant des rampants ça va nourrir les têtes il faut en tout 6 rampants euh, donc euh, c'est pas énorme euh, et en fait chaque tête va récupérer un rampant voilà et va le tuer et en fait va le bouffer hein, j'ai envie de dire et, euh, et donc du coup bah après euh, vous pourrez faire une autre étape qui consiste à récupérer les 6 signes vous voyez au sol là ils sont pas très euh sont pas très euh, colorés on va dire hein, sont un peu invisibles et ben vous récupérez ces six signes hop et après ça les rendra un peu plus lumineux euh, voilà donc là on récupère un par un les signes donc moi je vous conseille de faire des gros tas et de tuer après ce sera plus facile voilà donc après on va simplement une fois récupérer ces six signes on va euh, dans cette salle là où il y a tous les chevaliers tout ça euh, pour euh, pour savoir un peu nos signes euh, à quoi ils correspondent euh, parce qu'en fait c'est jamais la même chose. Hein. Donc alors on commence par le stag. Euh, voilà donc hop le stag qui ressemble à ça, euh, une sorte de je sais pas ce que c'est. Euh, donc une corne, euh, voilà. Après on a un griffon. Après le griffon, on a une porte. Euh, si si je vois si on a une porte. Euh, voilà hop après la porte on a quoi Et eh ben on a une couronne. Ah oui une couronne une couronne une couronne. Euh, voilà donc après la couronne on a euh, le cœur. Voilà, donc les signes que vous voyez ici, là, au niveau des euh, signes des que j'ai là, et ben, euh, par exemple, le cœur, vous voyez, ça ressemble à une lune, et ben vous, ça sera pas forcément pareil. Voilà, non, je tiens à le dire quand même, au cas où, voilà. Alors, juste comme ça, en tirant dessus, Stag, riffon, je... vous voyez le délire un petit peu, en tirant dessus, ça, en fait, il va, il va vous dire un peu ce qu'il veut, comment il s'appelle. Donc, moi, personnellement, c'était Stag, Griffon et et, et coeur. Voilà donc euh, j'ai récupéré les signes savoir à quoi ils ressemblaient et je les ai posés enfin j'ai tiré dessus euh, donc dans l'ordre qui m'a dit donc stag griffon et corne. voilà donc si vous voulez en fait euh, si vous avez oublié ce qu'il vous a dit et ben vous chargez votre, euh, votre arc et vous tirez sur le euh, sur le, le vase là-haut et puis voilà donc après une fois vous avez inscrit son nom vous récupérez euh, vos flèches enfin votre flèche et après et eh ben vous tuez, enfin vous, vous, euh, vous allez à, au niveau euh, de la pyramide là, vous mettez votre flèche dans le tombeau et vous tuez un maximum de zombies pour nourrir la flèche Et après une fois ça fait Vous mettez votre arc euh, à améliorer au niveau euh, de la flèche qui est déjà améliorée <laughs> Voilà Bon en attendant euh, J'ai qu'une chose à vous dire c'est que c'est terminé Et puis que cet arc est très compliqué à commenter parce qu'il y a pas mal de choses à dire en même temps euh, C'est limite si j'ai pas oublié 2-3 trucs euh, Voilà donc euh, en attendant, j'espère que ça vous aura euh, aidé. J'espère que ça aura été complet. Voilà, c'est vrai que c'est assez compliqué à faire celui-là. Hein, au niveau commentaire et tout ça. Mais enfin bon. Voilà, donc moi je vous dis à une prochaine vidéo. Je vous dis ciao. Et puis voilà. Allez, ciao tout le monde. Ciao.